bonsoir. Bonsoir à vous qui serez peut-être notre public. Enfin, je l'espère très sincèrement. Un soir, l'auteur s'est retrouvé bien seul. Sa pièce était terminée et pour qu'elle existe, il lui fallait des acteurs. C'est ainsi qu'il est allé chercher, enfin je suis allé chercher puisque on m'a dit que j'étais l'auteur. Il est allé chercher des acteurs, des bons acteurs. C'est pas facile à trouver. Nous avons donc pris au départ Monsieur Franck Capilleri. Franck Capilleri. Mon cher Franck. Allez, voilà. Voilà. C'est un acteur universel, il sait tout faire. Et surtout, il sait faire rire. C'est rare dans ce monde. Voilà. Franck Capilleri. Bonjour. Il fallait aussi une femme, un peu de caractère. Alors nous avons choisi la Barjol. Voilà. La grande Barjol. Viens ici, ma chère. Oh, j'arrive, maître. Voilà. Alors, elle est tout. Elle est du théâtre, elle est toute seule. Il me fallait aussi un autre garçon qui ferait mon fils, par exemple. On a pris Alain Serrer. Alain Serrer a décidé de se faire doubler, parce qu'il a un emploi du temps très serré. Alors, on a pris Christophe Guibet, qui paraît-il le fils de l'auteur, grand garçon, grand acteur aussi. Il est très, très grand. Très, très, très grand. Voilà. C'est très dur de régler les projecteurs quand il est en scène, parce que les autres, enfin bref, on a trouvé des combines. Il y a aussi monsieur, alors Deuxeuil, mon cher Deuxeuil, avec moi, viens ici. Alors, lui aussi, c'est un, comment dirais-je, on ne peut pas se passer de ce genre de combines. On ne peut pas s'en passer. Ne ris pas, toi, non. Voilà. Et j'ai aussi la marquise, que j'ai appelée, j'ai surnommée la marquise, elle s'appelle De Jadeau. Viens ici, ma chérie, voilà. Alors, elle, c'est une blonde, mais c'est une actrice aussi. Ce n'est pas toujours le cas, hein, voilà. Alors, voici donc, ça, tout ceci forme une troupe. Une troupe qui partira et qui va sur les routes de ville en ville, de France en Navarre, et peut-être, on ne sait pas, la Suisse, que nous entamerions alors une carrière internationale, ça nous arrive parfois. Voilà, mes chers amis, je vous ai présenté la troupe. J'ai tendance à dire ma troupe, mais... Attention, on va lire que j'ai un nombril un peu trop gros. Voici les comédiens, prêts à vous servir. À bientôt. Prêts, ils sont là, ils seront là ce soir, derrière le rideau. Après les trois coups, paf ! La scène va s'illuminer et le théâtre va devenir un monde extraordinaire pour vous faire frémir, vous faire rire, vous faire pleurer peut-être, mais jamais on ne vous fera souffrir. Bye bye. C'est bien. Merci. C'est bien. C'est bien.